Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des photolocations qui vont être permanentes cette année au parc Disneyland avec les personnages Disney. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien qui est juste ici, enfin sur l'image qui est juste ici, pardon, à ma série de vidéos privées où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Toutes les meilleures stratégies sont vraiment là. Alors, j'ai pris mon PC pour plus de facilité. Pour avoir les noms en mémoire. Vous savez que normalement au parc Disneyland, il y a deux photos locations qui sont présentes tout le temps. C'est Meet Mickey Mouse et le pavillon des princesses. Donc c'est des endroits où vous faites la file et vous pouvez rencontrer Mickey ou les princesses Disney. Donc vous choisissez pas votre princesse pour le pavillon des princesses. Bon bref. Donc ça c'est déjà deux premières photos locations permanentes. Maintenant, cette année, donc comme je vous disais dans une des vidéos de cette semaine, c'est que Disneyland Paris a vraiment mis le paquet pour les photolocations avec les personnages dans sa stratégie de 2016. A priori, ça va être valable toute l'année, même si forcément au gré des saisons, il y aura des changements. Déjà, là, j'ai le programme pour janvier-février. Et donc, voilà, donc ça sera tous les jours. Donc il y aura... Donc à chaque fois, c'est ils mettent où leurs amis, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des légères variations, comme je vous disais par exemple pour Winnie l'ourson, vous pouvez avoir Winnie l'ourson, vous pouvez avoir Porcinet, vous pouvez avoir Bourriquet, etc., etc. Donc Alice ou ses amis, tous les jours de 10h30 à 13h15 à Fantasyland. Winnie l'ourson ou ses amis, tous les jours de 10h30 à 13h, Main Street, USA. Dingo ou ses amis, tous les jours de 11h à 14h30, Main Street, USA. Mini ou ses amis, tous les jours de 11h à 15h45, Main Street USA, hein, donc c'est à différents endroits évidemment, c'est précisé sur le programme. Donald ou ses amis, tous les jours de 11h à 14h, Main Street USA. Princesse Tiana ou ses amis, alors je sais bien que la princesse Tiana, j'ai reçu beaucoup de mails de gens qui veulent la rencontrer. Donc princesse Tiana sera là, alors là il y a marqué 10, 11, 14, 15, donc peut-être qu'elle fait que des apparitions et qu'elle ne reste pas très longtemps. C'est à Frontierland à côté du bateau. Tic et Tac ou leurs amis de 11 à 14, Adventureland, Peter Pan ou leurs amis à Adventureland aussi, et Aladdin ou ses amis à Adventureland aussi, donc de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Voilà, donc vous voyez qu'au final ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 photolocations, donc il y a de quoi faire. Voilà, donc c'est assez sympa. Maintenant, là, je vous ai donné les horaires, c'était jusqu'au 15 janvier. Parce que au jour où je tourne cette vidéo, j'ai les horaires que jusqu'au 15 janvier. Maintenant, il y aura quelques légères, peut-être, modifications pour janvier-février au niveau des horaires, mais je pense que ce ne sera pas énorme. De toute façon, chaque semaine, je poste sur ma page Facebook le programme de Disneyland Paris. Vous pouvez aussi le retrouver évidemment sur le site officiel de Disneyland Paris. Voilà. Donc c'est vraiment assez sympa et ça fait pas mal de personnages à rencontrer. Et ça, c'est rien que sur le parc Disneyland, parce qu'aussi au parc Walt Disney Studio, il y a la photolocation avec Spider-Man, il y a Buzz l'éclair ou ses amis, il y a toujours à l'entrée des personnages Disney. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà un petit peu pour le résumé. Donc pour répondre aux questions que je reçois souvent, oui, c'est bien tous les jours. Hein, c'est bien tous les jours, c'est à ces horaires-là. Alors vous avez vu que, bon, c'est vrai que les horaires sont un petit peu recoupés, c'est-à-dire que très souvent, on va dire que globalement, c'est entre 10 et 16. Mais bon voilà, ça peut vous permettre malgré tout, parce qu'entre 10 et 16 vous pouvez faire 2, 3 voire 4 personnages, ça dépend de l'affluence, particulièrement en janvier-février, il n'y aura pas forcément énormément d'affluence. Comme je le disais, il y a une ou deux vidéos, je ne sais plus. Voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de très très bien organiser votre séjour à Disneyland Paris. Salut.